Re-salam alaykoum. On continue. On s'était arrêté au niveau de, enfin, par rapport à une question, ok, j'avais posé. Je répète la question. Pourquoi on peut atteindre des débits donc assez supérieurs au niveau des réseaux locaux, c'est-à-dire LAN et PAN, ok? Qu'on peut atteindre ces débits donc assez supérieurs par rapport aux débits qu'on trouve sur Internet. C'est dû au serveur. Dû au serveur. Je pense. Pas forcément, bon, parce que quand vous naviguez sur Internet, enfin, surtout par rapport aux réseaux locaux ou les réseaux PAN. Vous n'utilisez pas de serveur, il n'y a pas de serveur. Bon, Non. vous pouvez donc installer un serveur de fichiers ou là, sur un réseau local, il n'y a pas de problème. La notion de débit n'a rien à voir avec, avec le serveur. Alors, Peut-être, monsieur, c'est cause des interférences dont vous venez de parler. Non, on a dit que PAN et LAN, donc on peut avoir des débits importants, très importants par rapport à Internet. C'est ça la question. Mais pourquoi, d'après vous, c'est cette différence de débit? On réduit le débit Internet pour faciliter sa transmission, son transport. Alors, au contraire, on aimerait tous avoir des débits plus importants Bon, pour justement accélérer les transmissions. tu fais pas l'an. Comment? Pas, mais tu dis l'an et le pan. Oui, au niveau du réseau Internet, on aimerait tous augmenter les débits au maximum justement pour accélérer les transmissions. Oui, je On aimerait vois. tous télécharger un film, par exemple, okay, en full HD. Par exemple, d'un giga octet, on veut tous le télécharger en 2 secondes, 3 secondes. Okay? Mais ce n'est pas possible. Parce que les débits sur Internet sont assez inférieurs par rapport aux débits qui se trouvent au niveau des LAN et des PAN. Justement, pourquoi cette différence? Bon, la première explication, le premier élément de réponse qui est assez évident, okay, c'est la taille. Okay. Donc Internet, c'est un réseau mondial, c'est un réseau étendu, d'une taille donc assez importante. Okay. Par contre, les LAN et les PAN, okay, ils ont une taille donc de LAN, par exemple, maximum quelques 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres maximum. Okay. Le PAN, c'est encore inférieur, donc à quelques dizaines de mètres. Okay. Donc, si la taille donc, elle est réduite, c'est-à-dire que les supports de transmission ont une taille donc, assez petite, okay, donc l'information qui va circuler justement à travers ces différents supports de transmission, okay, donc, va parcourir moins de distance donc, et va, donc, va faire moins de temps pour atteindre la destination. Okay. Donc, c'est la taille, ok. Mais le deuxième, si on veut si on veut deuxième critère qui entre en jeu, c'est le nom d'utilisateur, ok. Donc dans un PAN au niveau domestique, ok. Flashia par exemple le soir qui tous les membres de la famille seront connectés, peut-être qu'on aura au maximum une dizaine d'utilisateurs qui se connectent avec le PAN. Okay? Le LAN, la même chose, c'est à la taille d'entreprise, nombre d'employés, okay? Peut-être une centaine, quelques centaines d'utilisateurs. Okay? Par contre, Internet, nombre d'utilisateurs, okay? Il est de centaines de millions, voire de milliards, okay, d'utilisateurs. Donc c'est pour ça que tous ces utilisateurs partagent le même réseau Internet. C'est pour ça qu'on aura des lenteurs, ok?
au niveau des transmissions. Par contre, les LAN et les PAN, c'est des réseaux donc assez réduits, okay, en termes de taille et en termes de nombre d'utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on peut atteindre des débits très importants. C'est bon, Femina, la différence, d'où vient justement cette différence de débit entre les réseaux locaux et les réseaux étendus, type Internet, okay? C'est par rapport à la taille et surtout au nombre d'utilisateurs au niveau de ces réseaux. Okay? Monsieur, une question, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, quelle est la cause entre la différence de débit entre les différents pays? Comme l'Algérie, on voit un débit maximum de 2 à 4 mégas par seconde. Et par contre, si on voit les pays européens, ça dépasse les 20 mégas. Très bien, très bien, très bonne question. Donc, je m'attendais à cette question. Ok, bon, merci pour cette question. On a Internet, bien sûr, c'est un réseau mondial, c'est-à-dire il interconnecte les réseaux des différents pays. Ok, mais maintenant, chaque pays a une autonomie dans la façon où comment il va gérer son réseau. Ok, et chaque pays consacre des investissements différents par rapport à la gestion de son réseau. Okay? Donc, dans les pays développés, ils sont à jour par rapport à la technologie, par rapport aux derniers équipements. Parce que, comme on va le voir, Inch'Allah, même back, les différents chapitres qui viennent après, okay? Un des équipements les plus importants sur le réseau Internet, c'est le routeur. Okay? Donc, justement, c'est l'équipement qui permet d'interconnecter les différents MAN, les différents LAN pour justement constituer Internet. OK? Les routeurs ont un rôle très important au niveau du réseau Internet. OK? Donc, les routeurs qui sont utilisés non, au niveau de notre pays, par rapport aux routeurs qui sont utilisés au Canada ou aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. OK? C'est des routeurs plus développés. Z, les supports de transmission. OK? Au niveau des pays développés, ils ont beaucoup investi dans la fibre optique. Et ils permettent de relier actuellement, par exemple, au Canada, quasiment 100% de la population, okay? C'est-à-dire 100% des maisons, okay, au niveau du Canada, sont connectées directement à la fibre optique. Okay? Et là, en Algérie, c'est uniquement les nouvelles villes, les nouveaux quartiers, etc. Mouchi Kamel, okay? Où on installe la fibre optique. Okay? Je suppose que la plupart d'entre vous, okay, c'est le cas de ma connexion Internet, okay, que j'utilise actuellement justement pour faire ce cours. Okay? Donc, la maison Téhéna est connectée à travers la ligne téléphonique, qui est un réseau assez archaïque. Okay? Et parfois, la ligne téléphonique est contre des maps beaucoup d'interférences. Pour émettre un paquet, parfois il y a des erreurs, donc il faut les mettre. Tout ça se répercute sur le débit. Okay? Mais il n'y a pas que la partie à des physiques, c'est-à-dire support de transmission, les routeurs. Il y a aussi les protocoles utilisés, la configuration de ces différents routeurs. Okay? Qui est des protocoles, donc sous forme bête, protocoles de routage, okay, utilisés sur Internet, donc très sophistiqués. Okay. Il faut vraiment développer un savoir-faire pour les maîtriser, pour les administrer. Et il faut une surveillance, une mise à jour assez quotidienne ou là, enfin, heure par heure. Il faut avoir un savoir-faire qu'on n'a pas. Non, les agents d'intelligence télécom n'ont pas ce savoir-faire. Okay? Juste à titre d'information, okay, pour votre culture générale. Les protocoles, surtout protocoles de routage qui sont utilisés par les grands routeurs, okay, sur Internet, okay, qui ont des formations, des certifications Cisco, okay, assez pointues, okay, spécialisées uniquement un protocole donné. Okay. La certification, la formation, elle dure quelques mois, okay, et elle est très coûteuse, okay, pour l'avoir. Et l'ingénieur qui va avoir cette certification, il sera spécialisé uniquement avec le protocole de routage. Okay?
Donc, ils maîtrisent uniquement le protocole de routage. Donc, les pays développés, le type de certification, ok. Alors que là, par exemple, AG Telecom, non seulement donc les routeurs donc ne sont pas donc de dernière génération, des routeurs donc assez anciens, ok. Et même les protocoles de routage utilisés, donc c'est des protocoles de routage donc assez anciens, donc ils sont pas à jour, ok. Donc tout ça donc fait que les débits d'Anahna donc sont assez dérisoires par rapport aux débits des pays développés. Donc voilà, il n'y a pas de secret, donc il faut mettre plus de moyens et surtout, chier les moyens et surtout développer le savoir-faire, c'est-à-dire former le personnel ingénieur, okay, permettant de gérer ces différents routeurs, c'est-à-dire permettant de gérer les connexions Internet au niveau d'un pays. Voilà. Donc, c'est pour ça que Kane a de la différence entre les pays développés ou les pays en voie de développement. Okay? Et la concurrence. Et la concurrence très importante. C'est la concurrence, justement, qui permet d'investir les équipements, okay? Donc les équipements de dernière génération, et d'investir dans les formations du personnel ingénieur. C'est la concurrence. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, qui mène, malheureusement, okay? C'est aberrant, ok. Je crois que c'est le seul pays où il y a un seul fournisseur d'accès Internet. Sans concurrence, ça veut dire la connexion, ok. On peut pas développer les services sur Internet et pas développer des débits importants. Voilà, c'est comme ça, mais de dire la réalité, t'as la connexion Internet à l'Algérie. Voilà. Bon, là, on revient donc au réseau LAN. Bon, la technologie la plus utilisée, c'est-à-dire la norme, parce qu'il y a des normes, le LAN. Donc, quel support physique utiliser, c'est-à-dire quel support transmission utiliser, comment organiser les switches, comment organiser les postes de travail, etc. Il y a des normes, ok, standardisées. Donc, la norme la plus utilisée, c'est les réseaux LAN, qui permet d'équiper actuellement tous les réseaux LAN, c'est la norme Ethernet. Chez Internet, hein, Ethernet. Tu veux la syntaxe, c'est Ethernet, ok, Ethernet. Donc, quand il y a la norme Ethernet, on va l'avoir en détail le chapitre 2, une partie du chapitre 2, ou le TP 2, Inch'Allah, ok. Voilà. Parce que tout ingénieur donc va être amené à utiliser le réseau local de son entreprise, dans le cas où il travaille, ok. Et il doit donc connaître un minimum sur la norme Internet pour faire des petits dépannages ou pour installer une nouvelle imprimante ou installer un nouveau PC sur le réseau, etc. Okay. Donc, on passe maintenant au MAN, les réseaux métropolitains. Ok. Donc, enfin, ces réseaux s'étendent sur quelques centaines de mètres à quelques dizaines de mètres, c'est-à-dire la taille d'une ville. Okay. Donc, ils permettent, les MAN permettent d'interconnecter différents LAN. Okay. Donc, on a des LAN au niveau de chaque entreprise, ou là, au niveau de chaque établissement universitaire, administratif, etc. Okay. Donc, au niveau de chaque entreprise ou établissement, on a des LAN. Okay. Maintenant, bien sûr, il faut connecter ces différents LAN pour justement les connecter à Internet. Okay? Parce que le but ultime, c'est de pouvoir connecter tout le monde à Internet. C'est pouvoir travailler sur Internet. C'est ça le but ultime. Okay? Donc, l'interconnexion de ces différents LAN au niveau d'une ville, okay, constitue le réseau MAN, Metropolitan Area Network. Okay? Où là, on va utiliser, bien sûr, un des switches qui maintenant des commutateurs au niveau de chaque LAN, plusieurs commutateurs au niveau de chaque LAN, ok. Maintenant, pour connecter les MAN, plutôt les LAN, il faut passer par des routeurs, ok. Il faut passer par des routeurs. On ne peut pas connecter deux LAN différents sans passer par un routeur, ok. Donc ça montre l'importance des routeurs. On ne peut pas connecter aussi deux MAN, deux réseaux métropolitains différents sans passer par les routeurs. Généralement, bien sûr, on utilise plusieurs routeurs. Par exemple,
le monde de Tlemcen avec le monde de la ville d'Oran. Okay. Donc, il y a plusieurs routeurs qui permettent de faire cette jonction ou cette connexion. Okay. Et bien sûr, pour connecter l'Algérie, par exemple, à l'Europe, au réseau européen, okay. Donc, il y a la même chose. Il y a plusieurs routeurs, okay, où le support de transmission là, entre les différents pays, okay, c'est la fibre optique, okay, parce qu'elle offre des débits donc, importants. Parce que là, vous imaginez, donc, je dois transmettre donc, toutes les données entre l'Algérie et l'Europe, okay. On doit utiliser donc, un support à débit, donc là c'est important. Et actuellement, donc, le support qui offre le débit le plus important actuellement, c'est la fibre optique. Okay. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au MAN. Des questions par rapport au MAN? Donc, bon, je donne un exemple. Je donne un exemple d'un MAN à la ville de Tlemcen. OK. Donc, la connexion entre l'école Tana ou l'université de Tlemcen avec ses différentes facultés, tout ça constitue un MAN. OK. Déjà, le réseau de l'école Tana, le SAT, c'est un LAN. OK. C'est un LAN. Pourquoi? Parce qu'il est situé dans le même établissement. OK. Donc, l'étendue de Tao, c'est qu'il maintenant quelques centaines de mètres. 200, 300 mètres, pas plus. OK? Par contre, si on prend l'exemple du réseau de l'Université de Tlemcen, le réseau informatique de l'Université de Tlemcen, là, on va le classifier parmi les MAN et non pas LAN. Pourquoi? Parce que l'Université de Tlemcen a plusieurs facultés éparpillées un peu partout au niveau de la ville de Tlemcen. Donc, on a par exemple la faculté de médecine au niveau du centre-ville, on a la faculté de technologie au niveau de Chtouan, qui est donc... la banlieue de Tlemcen, quelques 10, enfin 8 à 9 km, la ville de Tlemcen. OK. Mbad Anna, la faculté des sciences, la faculté SMV, etc., Kemel Hadouf, le nouveau pôle. OK. Aussi, donc, distant par rapport à la faculté de médecine, la faculté de Chitouane. OK. Donc, vous remarquez que pour justement connecter toutes les facultés et pour donc constituer les réseaux à l'université de Tlemcen, OK. Donc, on doit donc connecter entre différentes facultés. Donc, les différentes facultés sont éparpillées donc, sur la ville de Tlemcen, au niveau de la ville de Tlemcen. Donc, tout ça constitue un MAN. Vous voyez? Donc, le réseau de l'université de Tlemcen, c'est un MAN. OK? Par contre, le réseau de l'école Tana, c'est un LAN. Donc, vous arrivez à voir la différence donc, entre LAN et MAN par rapport à la distance, justement. Par rapport à la distance. OK? Ou l'étendue géographique. Donc, on passe au WAN, OK. Donc, c'est un très grand réseau, où les réseaux étendus, OK. Donc, ils permettent, ces WAN, permettent d'interconnecter les LAN, les différents LAN, et les différents MAN, OK, des différentes villes, OK. Donc, le grand réseau international, c'est un WAN, OK. Wide Area Network, ça y est, OK. Donc, il y a une précision par rapport au support de transmission okay, utilisé dans le WAN, okay, dans les réseaux WAN. Donc, comme donc, réseau WAN permet d'interconnecter des MAN, des différentes villes entre eux. Donc, actuellement, quand même les villes sont reliées à la fibre optique, bon, Marqbel, début, par exemple, l'Algérie, début des années 2000, mais on utilisait toujours le réseau téléphonique. Okay? Donc, la ville d'Oran, Tlemcen, par exemple, on bat l'Algérie à travers la Télécom. Ils ont investi dans la fibre optique okay? Pour justement connecter les différentes villes. Okay? Et maintenant, même les pays, bien sûr, entre eux, se connectent à travers plusieurs fibres optiques. Mais c'est une seule, je m'en rappelle, c'est plusieurs. Okay? Parce qu'il y a toujours la notion qui me dit plusieurs, ça veut dire que je vais augmenter le débit, parce que je vais partager le débit sur plusieurs lignes de fibre optique. Okay? Il y a aussi le problème de ce qu'on appelle la redondance. Okay? S'il y a un problème au niveau d'une fibre optique qui tombe en panne, on peut toujours donc diriger le flux de données sur d'autres fibres optiques. Okay? Maintenant, entre continents, okay, il y a des fibres optiques intercontinentales. Okay?
entre l'Afrique et l'Europe, il y a plusieurs fibres optiques, ok, qui sont déployées donc sous la mer Méditerranée, ok, à travers la mer Méditerranée, ok, c'est des fibres qu'on appelle fibres intercontinentales, ok. Il y en a plusieurs aussi entre continent européen, continent américain, c'est aussi transatlantique, donc qui passe par l'Atlantique, et bien sûr entre les différents les autres continents, ok. Bon, on a à titre d'information, ok. Donc l'Algérie donc se connecte avec l'Europe, ok, à travers normalement trois fibres optiques, ok. Kayen wahda Annaba de Annaba vers l'Italie, ok, vers la Sicile, vers l'Italie, ou kayen deux autres, enfin kayen wahda Alger Marseille normalement. Qu'il y a deux autres, mais je ne sais pas s'ils sont opérationnels, mais qui étaient en projet, l'Amlifet, s'ils sont opérationnels, entre Oran et Almeria, deux fibres optiques. Ok. C'est pas donc trois ou quatre fibres optiques, c'est pas suffisant. Donc l'Algérie normalement, à travers sa position géographique, donc géostratégique, surtout, qui est très stratégique, qui est en face l'Europe, ok. Normalement, on aurait dû donc investir beaucoup plus sur les fibres optiques donc intercontinentales, ok. C'est vrai que ça a un coût pour les installer, pour les déployer, un coût d'investissement très important, ok. Parce que à la Bellcombe, il y a que deux ou trois entreprises au niveau mondial qui sont donc qui ont le savoir-faire de tirer, de déployer des fibres optiques sur la mer, sous les océans. Ok, donc c'est des technologies donc assez pointues, donc un savoir-faire donc assez particulier. Qui, voilà. Donc c'est normal, donc ça a un coût, mais le retour sur investissement il est garanti. Pourquoi? Parce que tous les pays de l'Afrique subsaharienne, c'était l'Afrique, donc à partir de Mali, Tchad, etc., et au sud, ok, tous ces pays doivent passer par l'Algérie pour se connecter au continent européen, ok, et tout ça a un coût, ok. Enfin, ils doivent louer la bande passante ou du débit, ils doivent louer du débit, donc en utilisant les fibres optiques algériennes, ok. Donc, le retour sur investissement, il est garanti sur 5 ou 10 années. Donc, le retour sur investissement, il est garanti. Donc, normalement, on aurait dû donc, investir encore plus les fibres optiques. OK? Bon, maintenant, je fais des détails. OK? Je fais des détails. Mais, voilà, Bertan a une position géographique donc, très stratégique. Mais malheureusement, donc, on n'arrive pas à exploiter tout ça au maximum. Inch'Allah. Voilà. Autre chose, donc il y a comme les fibres optiques intercontinentales ou les mêmes terrestres qui permettent de connecter entre des pays qui ont des frontières terrestres, ok. Il y a aussi l'utilisation des satellites, plusieurs satellites, ok, qui sont utilisés pour justement donc garantir la transmission de données entre différents pays ou là même au sein de même pays, surtout les pays donc qui ont une grande superficie, ok. Donc toujours dans tout système, ok, l'ingénieur il doit toujours essayer de faire un mix de diversifier donc les outils utilisés, ok, pour justement augmenter au maximum les performances. Donc, on a différents supports de transmission. On a la fibre optique, le support filaire, le support sans fil, plus le satellite, etc. OK? Donc, tout ça pour garantir donc, un maximum de qualité de service pour les différents abonnés, pour les différentes entreprises. Question par rapport au One? Ah, c'est clair, monsieur. Très bien. Donc, bien sûr, Internet, on peut le classifier
parmi les réseaux WAN. OK? Le réseau TACOM au niveau de votre maison, c'est un PAN, OK, Personal Area Network. Le réseau, les réseaux des entreprises ou des établissements, comme le comme notre école, donc on peut le classifier comme un LAN, OK. Les réseaux d'une ville, OK, par exemple l'université de Tlemcen avec ses différentes facultés, c'est un MAN, OK. Aussi, par exemple, Sonel Gaz, qui a différentes agences, OK, au niveau d'une ville. Ces agences sont connectées. Tout ça constitue un MAN, OK. Et bien sûr, les grands réseaux, tu as un pays ou le grand réseau international ou Internet, c'est un WAN, OK. Voilà, on a donné différents exemples par rapport à chaque réseau. Donc maintenant, on va passer au deuxième critère de classification des réseaux, et qui concerne donc les topologies. Donc, on avait défini tout à l'heure la topologie. Qu'est-ce que c'est qu'une topologie? Donc, topologie décrit la manière dont les éléments, dont les équipements d'un réseau sont disposés, les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, comment sont organisés les différents équipements réseaux, OK? Pardon. Donc, les topologies les plus utilisées, c'est les topologies en bus, en anneau, étoile, arbre et maille. Okay? Donc, on va voir en détail les caractéristiques de chaque topologie. Donc, on va commencer par la topologie en bus, okay, qui est la plus ancienne, et qui est donc la topologie la plus ancienne qui a été donc, la première topologie à être utilisée. Okay? Donc, au niveau de l'ARPANET, enfin, au niveau des premiers réseaux développés au sein du projet ARPA, justement, utiliser la topologie en bus. Okay? Donc, comme le montre la figure 1A, au niveau de ce slide, okay? Donc, topologie en bus donc, permet d'utiliser donc, un support de transmission central, okay? Filaire, bien sûr, okay? Auquel se connectent les différents équipements du réseau. OK? Donc, c'est pour ça que ça a la forme d'un circuit à un bus. Okay? C'est pour ça qu'on l'appelle la topologie en bus. Okay? Donc, si on veut installer un nouvel équipement, donc on va donc, utiliser un nouveau câble et connecter ce câble au niveau du câble principal, les voies, le bus. Okay? Bon, on a le câble utilisé, le support de transmission utilisé, c'est le câble coaxial. Là. Câble coaxial ou le câble de la parabole. Il faut le câble de la parabole. Il fait un seul fil à l'intérieur en cuivre. Okay? Donc, il y a le premier support de transmission qui a été utilisé au niveau des réseaux. Bon, actuellement, ce n'est plus utilisé. Okay? Mais, la topologie en plus, on utilise justement avec le câble coaxial. Okay? Donc, maintenant, si une machine A, par exemple, un équipement A veut transmettre un message à un équipement B, OK? Donc, la machine A va transmettre son message, OK? Ce message, donc, sera reçu, une copie de ce message sera reçue donc, par tous les équipements du réseau, OK? La machine, donc, destinataire, donc, la machine destinataire, donc, va traiter le message, OK? Les autres machines, ils vont donc recevoir le message, ils vont l'ignorer, ils ne vont pas le traiter. Ça y est? OK? Donc, une machine qui veut transmettre un message, une machine A qui veut transmettre un message à une machine B, donc elle va le transmettre sur le bus. Donc, chaque équipement, chaque machine connectée au bus va recevoir une copie de ce message. Donc, la machine destinataire va traiter ce message, les autres machines vont l'ignorer. OK? Donc, bien sûr, par rapport à chaque topologie, on va discuter des avantages et des inconvénients de chaque topologie. OK? La topologie en bus, le principal avantage, c'est qu'elle est simple à mettre en œuvre. OK? Donc, un câble coaxial, les différentes connexions, c'est assez donc, facile à installer. OK? Mais en contrepartie, malheureusement, cette topologie, donc, génère différents inconvénients, ok, ou là provoque différents inconvénients.
qui peut me donner l'inconvénient principal de cette topologie. La lenteur de la transmission des messages, vu que le message il y a les parties de la ligne dans les bus. Oui, mais même bon, les autres topologies, on va voir. OK. Donc, un assez vrai l'envoi n'est pas direct. Donc, tout le monde va recevoir le message, mais il n'y a pas une grande incidence par rapport à la lenteur. Hein. Qu'est une lenteur, c'est que qu'est une lenteur en termes de débit, ça, elle est due à autre chose, à un autre problème. Il y a une coupure au niveau de la câble. Et le chaîte de traitance, mais la Oui, raison est exactement. Voilà. Donc, c'est un inconvénient. OK. Donc, le bus ADEX, c'est-à-dire la ligne principale qui se trouve au milieu, ouais, elle est critique. Donc, s'il y a un problème, une panne au niveau de cette ligne, OK, tout le réseau devient paralysé. Tout le réseau devient inaccessible. OK? Pourquoi? Parce que quand on indique la ligne, le bus ADEC au milieu, donc, qui est donc très important. Sans ce bus, donc, on peut pas donc parler de réseau en bus. OK? Z, un autre inconvénient. Donc, maintenant, la topologie, l'inconvénient principal, c'est que cette topologie génère plusieurs problèmes de collision. OK? Bon, je c'est évident, hein? C'est comme une route. OK? Si deux véhicules donc, utilisent le même chemin, l'un est dans un sens et l'autre est dans le sens contraire, donc la collision, elle est inévitable. OK? Donc, la même chose, non? Vous voyez? Donc, faire de la topologie en bus, on dit un seul fil de transmission. OK? Donc, si par malheur, il y a deux messages qui sont envoyés en même temps, ou là, qui circulent en même temps dans le bus, donc la collision, elle est aussi inévitable. OK? Ou alors, collision en termes de transmission de données, ça veut dire perte des deux messages. OK? Donc, il faut retransmettre le message de nouveau. OK? Quand je dis retransmettre le message de nouveau, ça veut dire qu'il y aura donc une lenteur. Donc, au niveau des communications, et ça va se répercuter sur le débit moyen utilisé au sein de ce réseau. Okay? Donc, l'inconvénient principal de cette topologie est le nombre important de collisions qu'il peut y avoir, okay, au sein des réseaux de type bus. Okay? C'est clair? Voilà, donc, oui. Oui, c'est Oui, clair. c'est clair. Très bien. Donc, l'avantage, Naoudou, rapidement, l'avantage, c'est que cette topologie, elle est simple à mettre en œuvre. Okay? Donc, les inconvénients, c'est le nombre important de collisions. Et donc, le bus, la ligne de transmission avec centrale, qui est critique. Donc, s'il y a un problème au niveau du bus, donc tout le réseau devient paralysé. Okay? Donc, la topologie, elle n'est plus utilisée. Les réseaux locaux, okay, ou les mêmes les réseaux locaux n'est plus utilisé, elle est utilisée actuellement uniquement au sein des réseaux locaux industriels. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a différentes machines, différents API, etc., qui sont connectés donc, au sein d'une usine ou là. Donc, on utilise une ligne principale, centrale, on connecte les différents, donc, différentes machines. Bon, vous allez me dire que il y a le problème dans les collisions. Ça fait domaine industriel, ok. Il y a d'autres protocoles et qui permettent justement de réduire le nombre de collisions, ok. Mais même au niveau des ateliers industriels actuels, ok, modernes, on n'utilise plus la topologie en bus, on utilise la topologie en étoile, comme on va le voir. Les prochains slides. Voilà, on passe donc à la deuxième type de topologie,
okay, qui concerne la topologie en anneaux, ok, comme son nom l'indique, là, les différentes machines ou les différents équipements du réseau sont organisés sous forme d'une boucle, le sous forme d'un anneau, ok. Donc là, chaque équipement, là, chaque machine fait office d'un de répétiteur, ok. Donc elle va recevoir le message et le retransmettre, ok. Donc une machine qui veut envoyer, une machine A qui veut envoyer un message à une machine B, par exemple, ok. Donc elle va l'envoyer sur la boucle, ok. Donc tous les équipements intermédiaires qui se trouvent entre la machine A et la machine B vont recevoir les messages et le retransmettre, ok. Maintenant, une fois le message, il arrive à la machine B, donc il va être traité. La machine B, bien sûr, ne va pas être obligée de retransmettre ce message parce que ça y est, il est arrivé à destination. Donc, la machine B va traiter ce message. OK? Donc, maintenant, bien sûr, les messages circulent que dans un seul sens. OK? Donc, la topologie en anneau, les messages circulent que dans un seul sens. OK? Maintenant, c'est évident, d'après vous, quel est l'avantage principal de cette topologie? La cache des collisions. Bien sûr. Donc, là, on garantit qu'il n'y a pas de collision avec cette topologie. OK? Parce que c'est en anneau, c'est en boucle et que les messages circulent que dans un seul sens. Pardon. OK? Donc, ceci permet de garantir justement l'élimination des collisions. OK? Maintenant, les inconvénients de cette topologie. La même chose avec celui du bus, parce que quand l'anneau est gâté ou lèche, ça va couper la route. Et l'anneau? Comment? Non, c'est même un achat, parce que c'est continu. L'information doit passer partout. Oui, mais est-ce que c'est seulement l'anneau qui est critique? Bon, on a l'anneau, c'est le fil de transmission, c'est-à-dire le support de transmission. Bon, généralement, c'est le support de transmission, un demi-degré de vie, donc plus ou moins donc, quelques dizaines d'années ou là, OK? Donc, c'est vraiment rare où on aura une coupure, sauf en cas de sabotage ou là, en cas de catastrophe, ou là, ça bien sûr. Okay. Même les ordinateurs, s'il y a un problème dans un ordinateur... Voilà. C'est surtout par rapport aux équipements, enfin par rapport aux machines. S'il y a un problème au niveau d'une machine donnée, ça y est, tout le réseau devient paralysé. Pourquoi? Parce que les machines jouent le rôle d'intermédiaire. Ils retransmettent le message reçu. OK? Donc, si une machine, par malheur, une machine devient inaccessible, OK, et ce qui est souvent le cas, parce que c'est des ordinateurs utilisés, donc on peut avoir un problème surtout logiciel, OK. Il y a un circuit ouvert. Oui. Comment? Il y a un circuit ouvert. Je m'achète la question de Ah, c'est pas une question. C'est un circuit ouvert, l'aucun.